Coucou mes membres, j'espère que vous allez super bien et que tout se passe bien de votre côté. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans les astuces de Fafi. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer un petit secret. Vous voyez, en image, nous avons la carotte, nous avons le citron. Je vais vous montrer un petit secret qui va vous aider pour votre routine beauté le matin. Vraiment, arrêtons d'acheter les lotions. Pourtant, nous pouvons en fabriquer. Aujourd'hui, comme vous le voyez, je vais vous faire une lotion fait maison. Et c'est une lotion hyper efficace car ça nettoie la peau en profondeur. Ok, maman, sans plus tarder, je vais râper ma carotte. Puis, je vais presser le jus d'un demi-citron et extraire le jus. Après cela, je vais mettre dans une bouteille, puis je vais déposer au frigo pour fermentation. 24 heures plus tard, vous pouvez l'appliquer sur votre visage. Si vous pouvez, faites-le tous les jours. Ça n'a aucun effet secondaire. Très efficace. J'ai déjà mon mélange. Ok. À ce stade-ci, voilà, on peut déjà voir le jus. On a pas assez de jus parce qu'on n'a pas, on n'avait pas assez de carottes. Donc voilà, c'est préférable de tamiser avec un tamis. Après avoir fait, nous allons appliquer notre lotion sur un coton. En effet, je leur rends ce témoignage. Ils ont du zèle pour Dieu, mais pas conformément à la vraie connaissance. Vous savez, le fait d'aimer Dieu et d'avoir un désir de le connaître, ce n'est pas assez. Il vous faut aussi avoir la bonne connaissance. Et au verset suivant, il est expliqué qu'ils ignorent la justice de Dieu et cherchent à établir la leur propre. Ils ne se sont donc pas soumis à la justice de Dieu. Il est parfaitement vous allez laisser sécher. Deux types de justice. Il y a une justice personnelle, il est précisé dans ce passage qu'ils essaient d'établir la leur propre. Et la Bible dit en Ésaïe chapitre 64, il me semble que c'est au verset 5, que toute notre justice est comme un vêtement. Vraiment, ce n'est pas agressif. Hein. Ce n'est pas agressif, c'est naturel. Au fur et à mesure que ça va durer, vous pouvez garder ça 2 semaines. Au fur et à mesure que ça va durer, ça sera encore plus efficace. De Dieu par la foi. Savez-vous de quoi il est question de vous lire dans Éphésiens 4? Si vous voulez que, si vous voulez éclaircir votre peau, c'est-à-dire tout votre corps, vous pouvez appliquer partout. Hein. Vous pouvez appliquer partout, ça va. Aucun souci. Okay. Vous pouvez appliquer partout. Lorsque vous êtes né de nouveau, votre esprit, cette partie de vous qui a été changée, a été créée juste. Cela signifie que vous êtes en règle avec Dieu. Votre esprit a été créé en justice et en véritable sainteté. Avant de prendre votre bain, vous oignez avec, vous appliquez partout sur votre corps. Et puis vous allez prendre votre bain. 15 minutes, à 10 minutes comme ça le corps. Mais pour la face, juste 5 minutes, ça va aller. Il ne s'agit là que de comportements extérieurs. Bien sûr, cela a sa place, il est nécessaire de s'habiller convenable, mais je vous assure que les standards que la religion impose aux gens sont... Vous voyez comment ça commence à sécher. Si votre façade a besoin d'être peinte, eh bien peignez-la. Et s'il faut mettre 2 couches, mettez 2 couches. Dieu ne s'en soucie pas. Et voyez-vous, certaines personnes croient que la justice, c'est porter telle ou telle robe. Et pour les hommes, il s'agit de se comporter d'une certaine façon. Il y a même une école biblique où les hommes ne peuvent porter que des chemises à manches longues. C'est un échec quelconque dans leur vie. Vous voyez, ça a déjà séché. L'amertume, de mauvaises habitudes.
et demandent à Dieu de les rendre justes. Encore une fois, il n'est ici question que de leur propre justice. Merci d'avoir regardé cette vidéo, bien vouloir vous abonner sur cette chaîne et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos.